Bonjour, chère madame. Bonjour, bonjour madame. Bonjour, bonjour. Que de jeunes vêtues. Ouais. Merci. Regardez, rayon elle de soleil. Nous amène le soleil. C'est ça. Alors, chère madame, comment vous appelez-vous ? Alors, je m'appelle Elisabeth. Elisabeth. Et je viens de Chartres. De Chartres, voilà. Très bien. Et vous avez eu la très, très bonne idée, Elisabeth, de venir avec peut-être le portrait d'une ancêtre ? Alors, non, pas d'une on ancêtre. Sait pas. Le tableau était chez mes parents depuis... Enfin, je l'ai toujours vu. Elle a surveillé tous nos repas de famille dans la salle à manger. Elle était au-dessus cheminée ? Dans la salle à manger, non, sur un mur. Et vous n'avez pas une cheminée à côté parce qu'on le voit très foncé. Oui, le cadre est très... Il y avait la cheminée, oui, pas très loin. Parce voilà, qu'il est... Parce... Il... On a l'impression qu'il a fumé. Enfumé. Qu'il est un peu recouvert de suie. Alors, il a toujours été dans la maison familiale, dans alors, tous les voilà, cas. Alors voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, maman m'a chargée de venir vous voir. Elle va déménager dans une maison plus petite. D'accord. Et on a pensé à vous, de venir vous le présenter. Comment elle s'appelle, ben, maman ? C'est Marie. Eh bien, Marie, vous avez une très bonne idée. On vous embrasse. Les gros câlins. Merci. Gros bisous à Marie. C'est un très joli pastel. Est-ce qu'on connaît le nom de l'artiste ? Alors, c'est Jacques Weissmann. Weissmann. Et le tableau est de 1907. Mm-hmm. Et donc là, alors, elle avait une cousine éloignée dont elle était très très proche, maman. D'accord. Et la maman de la cousine était amie avec cette dame. D'accord. Qui à l'époque était la compagne du peintre. Elle a une robe fabuleuse, hein. C'était la compagne de ce monsieur Weissmann, de cet artiste. Oui, à cette époque-là, oui. C'est un artiste qui a été identifié, répertorié par nos experts. C'est ça, oui. Tout à fait. C'est Harold qui a fait l'estimation. Oui, je vois que vous regardez, elle a fait deux expositions. D'accord, oui, oui, parce que je me demandais pourquoi il y avait un numéro ici. Oui, il y en a un et il y en a un autre en bas. Des inventaires d'exposition. Voilà. Et la signature est au-dessus de son épaule droite. Ici. Voilà, avec la date. 1907. Il a vu 1907. Elle est belle, hein ? Ce qui est étonnant. Oui. Hormis, on dirait une artiste, une comédienne. Moi, c'est le cadre que je ne comprends pas. Pourquoi il est si foncé ? Ouais, c'est parce que c'est tout simplement la cheminée à côté. De toute façon, j'ai pris un petit chiffon avec de l'eau, vous allez voir. Incroyable. Je l'ai toujours connu foncé comme ça. Ah bah, regarde. Ça va être magnifique. On n'a rien fait. Ça va être très beau. Regardez. Et je frotte. Alors là, c'est rigolo. On est vraiment à l'époque des portraits, à l'époque de Sarah Bernhardt. On est à l'époque des grandes actrices de théâtre, fin 19e, tout début 20e. Il a une heure. Ouais, ouais. Hein. Il a insisté sur elle le est belle, regard. Hein, cette femme. Hein. Le regard qui est. Oui. Elle est un peu tristoune. Oui, peu, puis elle vous suit un peu de partout. Là, elle est mystérieuse. Elle surveille. Mona Lisa sort de ce corps. Il est très beau, moi j'aime beaucoup. Très joli. C'est très bien. Après vous. Merci. Après vous, chers amis, je vais y aller. Allez, Johan, il a un coup de foudre et t'as vu comment il nous pousse. Allez, on démarre les enchères. Allez, mon Jojo, à toi de démarrer. Eh bien, on commence à 100 euros. Bravo. Ah, quand même. On va y laisser alors. Eh bien, allez, pas faire conclu, cher ami. 150. 180. Oh là là. 200. 250. 300. 320. 350. 380. 400. 420. 450. Ah, c'est vrai qu'elle est belle. Permettez que j'aille là-bas parce que... Oui, parce que t'as une place. Oui, faut allez, que viens tu près de moi, ouais, Polo. Ouais, ouais. C'est que, alors, Paul achète et adore les tableaux. Et effectivement, la place là-bas va pas le motiver à l'achat. Que là, t'as vu comme elle est plus jolie quand même. Mais oui, non, mais moi, j'imagine le cadre aussi. Ah ouais. Alors, Polo. Alors, 460. Alors, 500. 510. 520. 530. 550. 560. 600. 620. 650. 700. Ah, tu sais que tu les lâches pas, hein. 750. 780. 800. 830. 900. 910. Il te lâchera pas. 1000. 1010. T'as envie de cette dame, hein? Ah, moi j'adore. Ouais, hein. Moi j'adore. C'est des périodes que j'adore. Il va falloir qu'on s'entende. Et le pastel est très sympa. Tu as combien, Paul ? 1010, non ? Oui, 1010. 1100. 1110. 1200. 1210. 1300. 1310. 1350. 1400. Et je retourne à ma place. Tu t'arrêtes là alors ? Ah, tu sais pas, hein. 1450. Alors 1460. 1500. 1510. Mais c'est chouette, hein. Surtout qu'il y a un projet derrière. Maman, elle veut donner l'argent à ses petits-fils
parce qu'on vide la maison. Il y a une vieille 4 chevaux Renault de 1952 dans le garage. On est preneur aussi. À retaper, et les garçons... veulent la restaurer. Veulent la restaurer. Ça, c'est un chouette projet. Alors, 1555. Non. Alors, 1560. 1600. 10. Là, votre maman, elle regarde la télé, elle est super contente. Ah oui, oui, oui. C'est chouette. C'est certain. Combien tu as dit ? 1610. 1700. 1710. 1750. 1800. C'est le gros coup de cœur, là. Ouais. Ouais, ce portrait, il est très émouvant. Il est sublime. Mais je ne savais pas que tu aimais ça, quoi. J'adore ça. Hein? 1850. Alors, 1860. 1900. Alors, 1999. Oh, aïe, aïe. Eh bien, tu sais quoi ? Tu vas l'avoir à 1999. Ah. Madame, 2000 euros sur moi. Oh. Hein ? Ah, c'est beau, voilà. En tout cas. Donc, est-ce qu'on fait une affaire conclue à 2000 euros ? Eh bien, c'est chouette. Ça y est, tu lâches. Pas de regret ? Mais bien sûr que je vais le regretter. Ah oui, oui. Avancez, avancez. Allez-y, allez-y. Donc, on fait une affaire conclue. Allez-y. 2000 euros. Bravo. Merci, madame. Super belle affaire. Ravi. Est-ce que je peux juste rajouter que je voulais dédier ce moment à mon papa ? Ah ben, voilà. Embrasse votre papa. Merci beaucoup. Merci à vous, Charles. Merci. Gros câlin. Et plein de câlins à votre maman. Oui. Je regrette déjà. Ah, vous voyez ? Tu peux que regretter. Hein. Il est d'une qualité fabuleuse. Il a mis des extraordinaires.